Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le 29 mars 2023, un appel à un moratoire de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles a été lancé par des centaines d'experts mondiaux, dont Elon Musk, évoquant des risques majeurs pour l'humanité. L'Italie a récemment interdit l'utilisation de ChatGPT, pourtant l'engouement est bien là. Plus de 100 millions d'utilisateurs en 4 mois. Même les réseaux sociaux comme Facebook n'ont pas connu à l'époque une telle évolution. Pourtant, l'IA n'est pas nouvelle et fait partie de nos quotidiens. Pour exemple, l'écriture avec proposition de correction sur smartphone. C'est donc bien l'arrivée dans le domaine public de ChatGPT, une IA ultra performante, comme celle utilisée dans les labos ou encore par les industriels, qui révolutionne notre perception de sa puissance et de ses capacités. Dans la première moitié du XXe siècle, le mathématicien britannique Alan Turing va fonder scientifiquement l'informatique. Cryptologue, il aura un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon certains historiens, son déchiffrage du code des transmissions allemandes a permis de raccourcir la guerre de 2 ans. Il continue parallèlement ses réflexions fondamentales réunissant la science et la philosophie. Il explore le problème de l'intelligence artificielle et propose une expérience maintenant connue sous le nom de test de Turing, où il tente de définir une épreuve permettant de qualifier une machine de consciente. L'usage du terme intelligence artificielle est un oxymore qui a fait couler beaucoup d'encre quant à sa pertinence. En effet, l'IA repose sur un programme informatique qui s'appuie sur un substrat abstrait, l'information, et s'exécute sur une machine statique par essence. Alors que l'intelligence biologique des êtres vivants repose sur un substrat concret, organique, et donc dynamique par essence. Aussi la problématique des chercheurs repose sur le lien existant entre le physique et l'intellectuel, ou nous pourrions dire entre le corps et l'esprit humain. Pour mieux comprendre, partons de la cognition humaine. La définition classique de la psychologie cognitive renvoie à une large palette. Le langage, la mémoire, le raisonnement, l'apprentissage, la prise de décision et bien plus. Premier défaut de cette définition est qu'elle est centrée sur l'humain, oubliant la condition animale de la cognition, et d'autre part, il y a l'idée implicite et cartésienne du dualisme entre le corps et l'esprit, mettant de côté le support physique. Pour François Jouan, spécialiste de la cognition humaine et artificielle, il est plus simple et englobant de la définir comme la capacité qu'a un système à intégrer à son fonctionnement les effets de l'environnement en réponse à sa propre activité. En gros, c'est donner un sens à son univers. La cognition est donc incarnée, elle est référencée au corps situé dans un milieu. Rappelez-vous de la chronique sur « Les animaux ont-ils une histoire ?» Il faut donc comprendre comment le milieu va modifier le rapport cognitif vis-à-vis de lui au niveau physiologique, linguistique et adaptatif. Au niveau informatique, l'essentiel de la recherche en IA repose sur 3 orientations. La première est caractérisée par les chercheurs qui ont abandonné la référence à la cognition au sens de la pensée humaine et naturelle. Ils dirigent leurs travaux sur les algorithmes pour résoudre un problème particulier et optimiser les calculs. Ainsi, la machine en tant que système computationnel, c'est-à-dire qui conçoit l'esprit comme un système de traitement de l'information et compare la pensée à un calcul, n'a pas accès au sens. Ici, l'objectif est la performance de calcul. La deuxième orientation touche les chercheurs qui ont une approche intégrative de simulation fondée sur les connaissances en neurobiologie du cerveau. L'ordinateur simule et apporte un résultat que les chercheurs souhaitent similaire au vivant. Et la troisième s'intéresse au paradigme incarné.
Il s'agit d'une position philosophique où l'interaction avec l'environnement est à la base et ne peut être détachée de la cognition. Ainsi, l'ambition est de reproduire des phénomènes de construction ou d'émergence d'une cognition par le biais d'interactions en utilisant les capacités des machines pour pallier la complexité spatio-temporelle inhérente aux phénomènes naturels. On parle de robotique épigénétique. Les avancées sont aujourd'hui spectaculaires et l'IA, surtout algorithmique, est partout comme ChatGPT aujourd'hui. Il s'agit d'une IA générative de contenu. Vous lui posez une question et elle répond à partir des éléments existants dans sa base de données. Elle est également capable d'apprendre et ainsi de s'améliorer. Comme toute avancée technologique majeure, l'IA remet en question l'organisation humaine. Et comme toute nouvelle création humaine, son utilisation peut être bénéfique ou catastrophique pour le genre humain. Quelles sont ses conséquences ? En premier lieu, définir la vérité sera de plus en plus difficile. ChatGPT-4 ou encore Midjourney sont aujourd'hui en mesure, à partir de leurs ressources en texte et en photo, d'élaborer de nouvelles images. Avez-vous croisé sur les réseaux sociaux le pape en train de faire du breakdance ? Ou encore de nombreuses photos du président français en train de s'enfuir, acculé par une foule qui le pourchasse ? Bref, définir la vérité visuelle va devenir de plus en plus compliqué et peut ainsi permettre la manipulation de masse. Sur les réponses textuelles apportées par l'IA aux questions posées, un autre problème se pose, celui des vérifications des sources. Un modèle d'IA est composé d'environ 175 milliards d'informations, simplement invérifiables. Ainsi, l'IA peut nous donner de fausses informations. De plus, étant évolutive par renforcement, elle va adapter ses réponses à l'utilisateur. Un test de Google lancé sur Twitter en mars 2016 avec une jeune fille virtuelle nommée Tai a très rapidement été suspendu puisque les questions posées sur le réseau social modifiaient le comportement de l'IA. Effectivement, après une journée et plus de 96 000 tweets, elle tenait des propos misogynes, racistes et antisémites. Un second problème doit être soulevé, celui de l'emploi. La révolution industrielle et la robotisation ont eu pour conséquence une destruction massive de l'emploi, comme le chemin de fer ou encore le métier à textile bien auparavant. Les économistes nous diront que c'est souvent l'occasion de créer ainsi de nouveaux emplois encore inexistants. Cependant, cette fois-ci, la destruction va être massive. Par sa rapidité de calcul, l'IA permet de se passer de bon nombre de postes. Aux États-Unis, toutes les entreprises ayant mis en place ChatGPT ont revu leur organisation et supprimé de nombreux emplois. Plus de 70 métiers pourraient être touchés. Par exemple, les avocats en France sont soumis à différents droits, le droit commun, la Constitution, le droit européen. C'est ainsi un travail fastidieux de compiler pour apporter une réponse, pas pour l'IA. Si l'on comparait ChatGPT à un étudiant en droit sortant de sa promotion, il ferait partie des 10% des meilleurs élèves. Ainsi, la technologie accroît la valeur ajoutée et permet des gains de productivité. Cela pourrait être une issue face au dérèglement climatique. Cependant, lorsque nous constatons l'utilisation actuelle des gains de productivité des grandes entreprises qui passent dans les salaires des dirigeants ou des actionnaires, nous pouvons avoir des doutes. La taxation des robots et de l'IA doit faire partie du débat public sur le financement de la casse de l'emploi humain. Ainsi, la course à l'IA la plus performante a commencé. Elon Musk, qui la critique ouvertement dans son appel au moratoire, se permet tout de même de créer sa propre société d'IA appelée XIA dans le Nevada. Dans le même temps, Microsoft investit 10 milliards de dollars dans la recherche sur l'IA, le but remplacer les anciens moteurs de recherche que nous utilisons quotidiennement par une IA personnalisable et très interactive. L'IA pourrait être une alternative efficace dans de nombreux domaines, mais dépend essentiellement des intérêts du marché. L'humain invente la technologie et à son tour, la technologie modifie l'humain. Car le plus grand risque réside dans la modification cognitive humaine qui, assistée d'une IA, va redéployer un nouvel environnement. Selon Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, quatre domaines vont être profondément modifiés dans la cognition humaine. Le premier, notre incapacité à différer la satisfaction de nos désirs. Smartphones et mails ont déjà commencé à altérer notre capacité d'attente relationnelle. La livraison par drone nous rendra ainsi intolérants également à l'attente des objets. Le deuxième domaine sera l'intolérance à nos attentes de reconnaissance.
alors que l'IA sera là pour nous gratifier par des chatbots ou agents conversationnels, nous pourrons ainsi nous raconter en permanence. Ils pourront rebondir grâce à nos données personnelles. Ainsi, la notion de solitude évolue aussi, puisque si ce n'est un humain, le robot peut également nous accompagner. Les deux derniers domaines où l'IA va modifier notre psychisme sont la mémoire et la notion d'espace. La mémoire parce qu'elle représente un support consultable à l'instant T, vidant par la même occasion notre propre mémoire, et la notion d'espace car les outils de géolocalisation nous permettent de nous déplacer sans avoir aucune notion d'où nous sommes. Auparavant, les objets étaient à mon service, je les allumais, je les éteignais. Aujourd'hui, l'IA peut m'interpeller et me proposer des services comme un partenaire à part entière. La voiture autonome prévue par l'entreprise Ford pourra constater, grâce à une caméra embarquée, si nous avons bien dormi, contrôler les règles de conduite, voire même nous punir en désactivant le mode autonome. L'IA a des compétences que nous n'avons pas. C'est notre incomplétude humaine. Le risque est une certaine honte face à nos insuffisances et une confiance aveugle dans ses capacités. Nous serons progressivement enfermés dans une dépendance affective croissante, comme constaté pendant la guerre en Irak et en Afghanistan, où des cas de détresse émotionnelle ont été recensés avec dépression pour des soldats ayant perdu leur robot au combat. Notre monde est en perpétuel changement. Les avancées technologiques modifient nos manières de le concevoir. Aussi, si un moratoire doit être mis en place, il doit s'adresser à l'ensemble de la société, et non pas seulement aux détenteurs de la science ou des investissements. Car les enjeux de gouvernance de l'IA et de ses conséquences sur la vérité, l'emploi ou encore la cognition humaine nous concernent. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super green! Aussi green que ça peut être! Green, 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 green,